Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'anime du Kitsune. Aujourd'hui, on va parler de Trinity Seven. Alors, Trinity Seven est un action eishi fantastique et comédie de Akinari Nao et de Kenji Saito. Il nous est sorti en 2014 sous droit des studios Seven Arc et possède un manga de déjà 10 tomes qui est toujours en cours. Alors, on retrouve Kasugu Arata, un jeune adolescent assez pervers, ce qui est normal vu que c'est un eishi harem, qui vit avec sa cousine et amie d'enfance Ijiri. Un jour, il découvre que le soleil est devenu noir et qu'il est le seul à s'en rendre compte. Il rencontre alors une étrange jeune fille appelée Lilith qui lui explique que son monde a été détruit et qu'il vit alors dans un monde virtuel créé par lui-même grâce à un grimoire que sa cousine lui a donné avant d'être absorbée par ce soleil noir. Lilith est une prof de l'académie Magicus qui a été envoyée pour retrouver le grimoire en question. Elle menace alors de mort Arata qui n'a donc aucun autre choix que de rejoindre l'académie. Ainsi, les Trinity Seven, les plus grands mages de l'académie, voient alors le plus grand pervers qu'elle n'ait jamais connu intégrer celle-ci et seront contraintes de lui enseigner la magie. Pour le meilleur et pour le pire. Mais pour nous, ça reste le meilleur. Trinity Seven nous fait entrer dans le monde de la magie où l'on rencontre 7 filles, les Trinity Seven, qui ont chacune leur pouvoir représentant les 7 péchés capitaux. L'orgueil, l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure et la paresse. Non, je les connais pas tous, mais c'est parce que c'est noté en même temps. Et aussi notre petit Arata, qui possède un pouvoir que personne d'autre ne peut avoir. Une suite n'a pas encore été prévue, mais cela se peut, vu la fin de l'OAV. Donc on peut peut-être trouver une fin, ou alors c'est comme dans No Game No Life où ils font juste une promotion pour leur manga. Mais bon, la suite est toujours disponible dans les mangas. Un animé assez sympa avec du fanservice, une histoire un peu revue comme d'habitude, mais de très bons graphismes. Un putain de sens de la comédie, surtout Levi en fait le ninja, pour moi j'ai trouvé que c'était le personnage où on s'attache le plus et qui en plus est super drôle. L'idée de transformer leurs vêtements quand ils combattent, c'est très bien, mais c'est déjà vu. Dans Absolute Duo, par exemple, on n'a pas ça. Ils exécutent leurs archives et hop, ils changent de tenue, comme par magie. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'opening? Bah, il est bien, mais il y a mieux, quoi. Enfin, l'opening d'Absolute Duo, de Nikki, ou voir ceux des SAO. Voilà, mais sinon, c'est pas crâne. J'ai pas beaucoup de trucs à dire sur cet animé parce que, bah en fait, j'ai jamais beaucoup de choses à dire sur les animés que je regarde. Parce que, pratiquement, la plupart, je les aime tous. Hein, j'ai bien été dedans et tout. Trinity Seven, c'est aussi un animé pour quand on se fait chier un mercredi après ou. Voilà quoi. C'est Trinity Seven, c'est fait pour ça. Comme pratiquement tous les animés en fait. Mais juste avant de nous quitter, je voudrais bien savoir. Cette fille-là. C'est quoi la grosse boule qu'elle a? Bon, parce que moi je sais pas ce que c'est, hein. c'est une boule. Cette fille représente l'orgueil, on est d'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a une boule? Hein? Pourquoi cette boule? Et il y a aussi un personnage rôle de directeur, ce putain de gros pervers au pouvoir badass. Bien qu'en ayant vu une paire de nichons, ce gars se fait facilement avoir. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Désolé pour le retard que j'ai mis, parce qu'en ce moment je bosse sur un projet. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je sorte une petite vidéo sur Trinity Seven. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bisous! Here we go, come with me there.